De rendre compte de la synthèse, je propose qu'on fasse la discussion et la synthèse, on notera les idées forces, on la validera ensemble, les idées forces. Alors, en même temps, les conditions de la. Alors, je viens de Douarnenez, Fédération du Finistère. Donc, tu es breton. Oui. D'accord. Donc, Aurélien Guillot, moi je suis le secrétaire de la Fédération de la Mayenne. C'est où la Mayenne? La Mayenne, c'est dans la région Pays de la Loire, dans l'ouest de la France. Mm-hmm. Un petit peu plus à l'est que la Bretagne. Ah oui. Voilà. Yorick Bitrou, Fédération de Lyon, en Bourgogne. Oui. Maxime Nordet, je suis le fédéral de Corse du Sud. Plus au sud, vous n'en trouverez pas. C'est la mer ou c'est l'Espagne? La Corse, c'est l'île. Ah, la Corse? Ah, je n'ai pas entendu. Yann Del Rio, Fédération de Savoie. Savoie. Nicolas Dantu, de la Fédération de l'Orne. L'Orne. En Normandie. Ah, d'accord. Pas très loin de moi. Il y a quelques pistes mises sur l'affiche, donc je vous les donne comme ça. Ouais. Avec l'arrivée d'une nouvelle génération de communistes, quel devenir nouveau du Parti communiste français? Comment envisager notre activité, notre structuration pour un communisme de nouvelle génération? Donc ça, c'est un petit peu vague. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent. C'est vrai qu'on a des nouveaux adhérents, comment mieux les intégrer à l'activité du parti. Après, on est beaucoup de fédés ici qui sont plutôt, plutôt rurales. Moi, ça me pose aussi des questions sur comment on fait dans... Parce qu'on parle souvent des quartiers populaires à juste titre, mais dans des zones avec... 150 habitants. Moins d'habitants et des communistes. Peu de communistes sur des zones géographiques vastes. Ça pose aussi d'autres questions sur l'animation, la structuration du parti. Et moi, c'est des questions qui m'intéressent parce qu'elles répondent à mes problématiques. Je pense que... C'est intéressant ce que tu dis parce que nous, on a le problème des cellules. Donc, ouais. Nous, sur le département, on avait juste une cellule plus notre section. Et là, on va avoir trois cellules parce qu'on a des adhérents qui n'étaient plus au parti depuis longtemps, qui sont revenus, qui ont hésité avant de venir. Et puis, ouais, et voilà. Il y a aussi, pareil, que, comme tu dis, les nouveaux adhérents, comment les intégrer, comment leur expliquer s'ils ne savent pas ce que c'est le marxisme, les idéologies que l'on défend, tout ça. Le grand problème dans les zones rurales, c'est que déjà, bon, il y a le gros souci de la formation qu'il faut absolument décentraliser au maximum, faire venir au niveau de la section, parce que faire 100 km pour aller à la Fédé, pour pouvoir faire une formation, surtout qu'en ce moment, tout le monde n'est pas spécialement riche, donc on ne peut pas se permettre des fois de faire 100 km. Pour ceux qui ont voiture essence, c'est quand même pas, pratiquement. Donc pour nous, il faut déjà décentraliser les formations de l'autre pour l'organiser. Parce que nous, on doit donner, on a aussi bien des marins pêcheurs que des agriculteurs, on a un petit peu les deux côtés. Donc, nous, là-dessus, au niveau de l'organisation de la section, on a un nouvel adhérent justement qui est agriculteur. Et on n'a pas trouvé mieux en fait d'aller chez lui. Quoi, en fait. Quand on a des choses à faire avec lui ou on prend rendez-vous, on s'organise. Et en fait, la section, elle n'a pas un centre, elle a des centres. On n'a pas de cellules, mais on a plutôt des centres. Alors des fois, quand on est sur la pêche, on va être plutôt dans le port, voir avec dans la criée, dans les docks des criées, des choses comme ça, s'organiser avec les pêcheurs, faire des réunions, des choses comme ça. Et après, quand c'est tout le monde agricole, et ben on va voir justement les différents. Parce qu'on a aussi des sympathisants agriculteurs. Et là, on voit avec eux justement quel est l'endroit où c'est. C'est pas à nous de dire venez à la section, à notre local, c'est tout l'inverse en fait. Et après, nous, on s'est organisé comme ça. D'où l'intérêt des cellules, parce que on peut communiquer entre nous maintenant avec la révolution informationnelle. On peut s'envoyer des mails et tout machin, tout le monde, comme ça tout le monde est au courant d'un coup, le secrétaire fédéral ou le secrétaire de section répartit entre les cellules les informations. Nous on fait pas de cellules, on n'est pas suffisamment nombreux, on est que 37. Ouais. Je sais au copain il voulait parler. Moi je vois sur la section donc, d'Argentan là où je suis là, enfin je suis secrétaire de section aussi, c'est vrai qu'on a du mal à faire vivre les cellules.
Et donc on a plus misé sur des assemblées de sections. En fait, on invite des assemblées de sections. Par contre, c'est vrai qu'on s'est posé la question par rapport aux femmes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mères de famille aussi. Et c'est une difficulté de participer des fois à des réunions le soir. Et enfin, on peut appeler ça enfin peut-être une cellule, mais il y a un groupe de femmes qui se retrouvent tous les lundis après-midi à la Fédé. Donc, enfin, c'est la Fédé sur Argentan. Donc, ils se retrouvent tous les lundis après-midi. Donc, enfin, voilà, on tourne un café, etc. Quoi. Enfin, c'est un lieu d'accueil en même temps où il y a des militantes qui sont cartées et des sympathisantes femmes qui ne sont pas forcément encartées. Il y a une discussion politique qui se fait. Et au début, je l'avoue, au début, j'étais un peu sceptique parce que je dis ça fait un peu femme d'un côté, homme d'un autre, mais en fait, ça a été assez bénéfique en fait. Je trouve que au moins il y a une discussion politique et les femmes peuvent participer, politiquement. Dans beaucoup de sections. On va faire un tour. Vas-y, réponds. Sur la FEDE, donc la Corse du Sud, la difficulté c'est qu'il y a un grand pôle urbain qui est Ajaccio et il y a des zones rurales. Tout le reste, ce sont des villages. Et donc, on essaie de couvrir le terrain avec la mise en place des assemblées citoyennes. Et donc, on a commencé avec la campagne des élections territoriales. Et on a organisé à peu près, on a eu plus de 90 réunions avec nos candidats. Donc, ce n'était pas tous les mêmes, évidemment, tout le temps. Et on a comme ça montré une présence du parti dans l'ensemble du territoire. La difficulté, c'est que c'est extrêmement mangeur de temps et en déplacement aussi, quoi. Mais c'est intéressant puisque la preuve, on est quand même le Parti communiste avec le Front de gauche. Et arrivé en deuxième position des forces de gauche dans la région. Et on a quand même accédé à des postes de responsabilité, puisqu'on a une élue qui est membre du conseil exécutif et on a la présidence de l'Assemblée de Corse. Alors, les questions qui sont abordées dans ces assemblées citoyennes, sont essentiellement des questions régionales. C'est des questions plutôt sur le vécu immédiat des personnes. Ces expériences-là sont intéressantes parce qu'elles montrent un rayonnement de la vie politique menée par le parti, mais par contre, c'est insuffisant pour renforcer le parti. On organise bien des débats, des échanges, les personnes, on arrive à avoir pas mal de gens dans les réunions, mais ça, c'est pas pour autant qu'on obtient des adhésions. Et donc ça, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Alors ? À toi. Oui, que chacun parle. Oui, c'est comme la même. Sur ce que tu dis par rapport à... Je partage un peu ton constat sur les assemblées citoyennes. Effectivement, nous, sur la Savoie, comme vous dites, on a deux territoires hein, qui sont bien identifiés, qui sont les grosses villes comme Chambéry ou Aix-les-Bains, par exemple, c'est des villes de 50 000 habitants. Et puis après, on a vraiment des territoires en montagne qui ont vraiment des difficultés à être couverts par le parti. Du coup, ça centralise un petit peu sur quelques pôles. On voit bien que les sections, nous, les cellules, ça ne fonctionne pas. Elles ne fonctionnent plus. On peut s'interroger pourquoi. Non, mais c'est vrai qu'on a un petit peu une organisation au niveau des sections. On a vraiment beaucoup de mal à travailler sur les territoires qui sont assez éloignés. Enfin, je ne parle pas des difficultés liées au temps, à la montagne, à tout ça. Mais bon. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, paradoxalement, les assemblées citoyennes fonctionnent assez bien, même dans des territoires qui sont assez éloignés. Par contre, il y a assez peu de... C'est marrant, parce qu'en fait,
quelque chose de complètement contradictoire. En fait, effectivement, comme tu le disais, on a maintenant avec la formation, on peut s'envoyer des mails, des machins, des trucs, des sites. Mais en fait, il y a des difficultés à créer du réseau, quoi. Même si on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent avec des citoyens qui ne sont pas forcément encartés, et il y a des choses qui se font avec ces assemblées citoyennes, mais finalement, ça a du mal à construire un réseau qui soit un peu cohérent, qui soit effectivement très, très réactif, quoi. Et du coup, ça influe aussi, voilà, sur l'organisation du parti. On a vraiment des fois du mal sur ces territoires à faire émerger le parti, ou alors que dans des centres urbains, il n'y a pas de souci, quoi. Au niveau des assemblées citoyennes, avec les partenaires du Front de Gauche, ça travaille bien. Mais du coup, ça centralise énormément. Je vois, par exemple, il y a beaucoup de discussions qui vont se passer sur les municipales, avec la réforme qui va être mise en place avec les scrutins de liste, tout ça. Donc, on se rend compte qu'on va avoir un territoire très large, nous, à couvrir, avec des communes de 1000 habitants où il faudra des scrutins de liste. Donc, il faudra qu'on soit présent. On va avoir vraiment de grosses difficultés, finalement. À la Fédé, quasiment, on travaille sur deux pôles, c'est des gros centres urbains. Et cette question de la ruralité, elle est vraiment intéressante, parce que, elle est très complexe en même temps, c'est un peu l'usine à gaz de la poser comme ça. Mais il faudra qu'on y réfléchisse, parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui, du coup, quittent les centres urbains pour aller habiter dans la Savoie, et qu'on a des difficultés à toucher au niveau du parti. Les structures font que, on n'a plus la possibilité de les toucher. Y compris des adhérents qui sont quasiment plus du tout. Je partage pareil le constat que tu fais, c'est au niveau de la couverture du territoire. Dans mon département, dans l'Yonne, nous, il nous reste un seul bastion communiste, qui est la mairie de Joigny. Pour dispatcher les informations, faire des assemblées fédérales, les assemblées citoyennes, On se réunit tous au centre du département. Il y a une ville qui est choisie dans le centre du département. Il y a des difficultés pour certains de venir, problèmes par le train, le transport. Il y a les mails, tout ça qui circulent, les comptes rendus, tout ça. Et malheureusement pour certains camarades, ils ne peuvent pas exprimer leur avis, ou alors c'est très difficile, comme tu dis, pour communiquer. Vas-y. Alors moi, sur les assemblées citoyennes dans le Finistère, en fait, on a sur le premier phénomène qui marche bien, mais on a aussi un autre phénomène qui est paradoxal aux assemblées citoyennes. C'est que nous, on a des assemblées citoyennes qui s'auto-proclament toutes seules, hors Front de Gauche, hors tout ça, et maintenant on se retrouve en concurrence Front de Gauche, assemblée citoyenne dans certaines villes. Ah ouais. Donc là, nous, on a un effet pervers avec les assemblées citoyennes. C'est vrai que là-dessus, on essaye de travailler avec eux, ce qui nous fait quand même, dans toutes certaines villes, on est encore à gauche, on est pratiquement rendu à 4 listes, alors déjà... sur ça, le Front de Gauche, le PS qui veut partir tout seul, les Verts qui veulent partir tout seul, et les collectifs, assemblées citoyennes, tous les noms imaginables, peut y avoir, qui sont nés en fait des assemblées citoyennes que nous avons lancées, aux législatives, voilà. Donc c'est. On est tombé dans une concurrence hallucinante entre Front de Gauche et l'Assemblée citoyenne. Sans lien avec les partis, le PCF, parti de gauche. Nous, on essaye d'être présents en tant que citoyens, des choses comme ça, parce que généralement, on ne veut pas entendre parler des partis. Ce sont des gens en fait qui sont anti-partis en fait et qui se disent de gauche. Et ils réutilisent en fait tout ce qu'on a mis en place à travers le Front de Gauche, tout ça, mais contre les partis. Et ça, c'est vrai que nous, on reçoit assez mal. Nous, je vais changer de sujet complètement au niveau des mails. Alors, dans la Fédération du Finistère, on a une fédé qui est en difficulté, parce qu'il y a une fédé qui est en train de pleine crise. On est vraiment sur deux pôles, en problème de personnes, en fait. C'est ça qu'on essaie de régler. Ce qui fait que nous, justement, au niveau des mails, on fait extrêmement attention. On essaie de tout faire en dialogue face à face. Parce que sinon, c'est tout le temps des sous-entendus, ou alors du genre « Ah, je te l'ai pas envoyé ?» Oh, c'est bête. Voilà, il y a toujours des problèmes, des sous-entendus, ou du genre « Ah, mais ton mail ne marche pas alors que la personne ne l'a pas envoyé. » Tout un tas de trucs, prétexte pour faire exploser la fédé. Donc nous, justement, sur la communication, on fait tout maintenant par courrier, par...
peut-être lourd, long, fastidieux, mais au moins on essaye de se rapprocher au maximum des adhérents de la Fédé, parce qu'on a des grands nombreux problèmes de gestion. Et c'est vrai que nous, quand tout ça, donc, on attend avec impatience justement dans les structures du parti, la mise en place de COSIEL qui sont vraiment opérantes. Ça va nous soulager, mais quelque chose de bien. Donc vous avez beaucoup de coucou. Enfin moi, parce que bah, je repartais un peu sur tout à l'heure, un peu des militants qui sont un peu des fois isolés, qui ont du mal à venir en réunion. Et je crois qu'aujourd'hui on a effectivement enfin, la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui au parti. Alors je sais qu'on est un peu. On n'est pas tous un peu sur la même longueur, enfin pas. Enfin, un peu inégal par rapport à ça, mais ce que je pense, c'est comment donner aussi l'idée aux nouveaux militants qui arrivent de se former, de participer à des stages de formation, parce que souvent, malheureusement, moi je vois, il y a des copains qui ne viennent plus aux réunions, qui ne sont pas abonnés à l'UMA, la conscience politique, des fois, elle est dure, quoi. Moi, je sais que, au niveau de la section, on a un peu négligé aussi cette formation, cette proposition de stage, etc. Et je crois que c'est vachement important, quoi. Il y a de l'éducation, on fait un effort important parce que c'est effectivement indispensable, notamment pour les jeunes, les nouveaux adhérents. Jeunes, pas toujours jeunes, des fois ce sont des camarades anciens qu'on avait perdu, qui venaient plus, qui ne prenaient plus leur carte depuis quelques années, qu'on est arrivé à reprendre, on a repris contact avec eux et certains ont réadhéré. Mais de la formation, on a fait un travail particulier là-dessus. Par exemple, on a organisé un stage de formation à Porto Vecchio. Donc Porto Vecchio, c'est dans le département, mais c'est à 2h30 de route d'Ajaccio. Donc on a décentralisé sur Porto Vecchio un stage qui a duré sur 2 jours. On avait trouvé un hébergement. Ça a eu un impact important. Et on organise alors sur Ajaccio de l'auto-formation, c'est-à-dire qu'une fois par mois, on organise une demi-journée, un samedi en général, de la formation pour les nouveaux adhérents, les adhérents qui souhaitent aussi y participer. Et les camarades qui ont les compétences pédagogiques et de savoir sont utilisés en tournant chacun sur un thème donné. Voilà, donc ça, ce sont des expériences qu'on a mises en œuvre. Aussi, par exemple, on alterne les réunions du comité départemental, une fois sur Ajaccio, une fois sur Sartène, qui est dans le sud, un peu dans le sud du département, donc qui divise par deux les temps de déplacement pour les camarades. Et c'est évidemment contraignant pour tous, mais ça permet de montrer qu'on a bien on a un pôle qui est plus important, qui est le pôle urbain, mais qu'on essaie de donner autant d'importance à tout ce qui est dans les villages et dans l'intérieur. Alors le blog, on l'a créé via Elunet. Enfin, bon, c'est une structure qui travaille avec le parti, hein. Et c'est intéressant. Mais spécialement sur les camarades qui sont en zone rurale, sont souvent plus âgés et pas raccordés n'ont pas l'usage d'Internet. Donc ça fonctionne moins sur la zone rurale. Mais bon, c'est un outil qui est intéressant parce que ça permet de diffuser immédiatement les données. Par exemple, on a reçu il y a un mois une délégation kurde. Alors j'en parle parce que hier il y a eu un hommage fait, dont l'une des filles qui a été assassinée était dans la délégation. Et donc dès qu'on a appris l'assassinat, par exemple, on a sorti un communiqué au titre des deux fédérations de Corse. Le seul lieu qui l'a relayé,
ça a été le blog, mon ami. Aucun média, rien n'a relié ça. Donc ça a son importance aussi, y compris pour ce type d'événement. Avec celle que vous disiez, pourquoi ne pas faire à l'initiative du Parti communiste ou du Front de gauche et d'inviter les autres formations de gauche à venir participer, simplement débattre, échanger des idées, et avec ce que tu disais sur les blogs, tout ça, il faudrait que au niveau national, qu'il y ait une page ou un blog spécialisé qui relaye les informations des fédérations, tout ça, des infos importantes. C'est passé inaperçu, comme tu l'as dit, ton info. Donc, après, voilà, c'est une sorte de blog ou de page où chaque fédération, pas section, ouais, mais chaque fédération pourrait mettre en place des petites choses comme ça. Les liens. Ça marche. Excusez-moi, retard. L'Ardèche, Daniel Bastide, l'Ardèche. D'accord. Oui. Bah, donc je prie la grande route, parce que ce que tu dis, jusqu'à maintenant, bah, sur la com justement, qui est venue sur les blogs. Donc l'Ardèche, ça fonctionne beaucoup par. On a un blog fédéral, on a des copains qui ont des blogs, etc. Mais effectivement, ce qu'on ressent, ça a été dit aussi un petit peu, c'est que tout passe par mail. Effectivement, et ça a été dit pareil, la ruralité ou autre, on a des personnes un peu plus âgées en général, on a un problème d'information en général. Donc, la direction fédérale qui vient d'être élue ou réélue, là, on va se pencher dessus, parce qu'effectivement, le mail, l'avantage, c'est que c'est gratos. C'est-à-dire, c'est rapide et c'est gratuit. Je veux dire, après, s'il faut envoyer des courriers et tout, je veux dire, ça a un coût, donc qu'il faut, qui est pas négligé, c'est pas la même chose. Mais on va essayer de corriger. Sur la formation, je pense qu'effectivement, la formation, on l'avait négligée pendant quelques années. De toute façon, parce que je pense qu'à un moment, on en navigue un peu à vue quand même, ces 15 dernières années, quand même. Il y avait tellement de divergences, soit que je crois qu'on a navigué à vue. Et comme dit le copain de Corse, Lucien Ardèche, on a fait il y a 2 ans, là, une formation de niveau national décentralisée sur 2 jours, je veux dire, qui a eu un succès, très bon succès, etc. Et très intéressant, où on a trouvé des nouveaux camarades qui venaient, donc des jeunes camarades, des jeunes adhérents, et des plus anciens, comme moi et comme d'autres, qui ont 30, 40 ans de parti, etc., où on s'est régalé avec cette formation qu'on avait négligée depuis très longtemps, je veux dire. Moi, à partir de 73 à 76, on faisait l'école fédérale, au départ école de section, école fédérale, éventuellement l'école centrale, qu'on avait quand même un peu négligé depuis quelques temps. Voilà ça. Sur l'Assemblée citoyenne sans les partis, ça je crois que c'est quand même. On a eu aussi une tentative dans le secteur de gens comme ça qui voulaient faire des assemblées citoyennes sans les partis. Je pense que ça n'a pas tenu. Alors après on fait ce qu'on peut, mais c'est pas logique. Je veux dire, à un moment, il y a quand même un souci. Mais je pense que ça vient dans la discussion sur ce qu'on appelle la coopérative ou autre. À un moment. Il faut savoir où on est. Voilà, sans parti, le Front de gauche n'aurait pas existé. Il faut être très clair. Bon, je ne vais pas redire ce qu'on a dit hier. Le Front de gauche, c'est nous qu'on l'a initié, etc. Je veux dire, après, on veut bien tous les citoyens possibles, imaginables, qui viennent, qui veulent aider, qui veulent participer, il n'y a aucun souci. Mais tu ne peux pas, à un moment, on ne peut pas excuser les partis. Ça me semble irréaliste. Alors, je crois que j'ai entendu parler aussi des municipales. Il y a déjà des listes qui se font. C'est pas ce que tu as dit ? C'est pas ce que tu as dit, pardon ? Oui, alors là, là aussi, mais bon, je pense que sur le municipal, on est à un an. Moi, je partage ce qu'on a dit hier aussi. Et nous, on a été sur mon secteur, on a été sollicité par le Parti Socialiste pour faire nos listes sur une commune importante et une commune. L'Ardèche, les communes sont petites. Je veux dire, mais bon, une commune de 12 000 habitants, qui est la deuxième commune du département, on les a rencontrés. On a dit, bon, mais on est d'accord pour discuter, mais avant il faut qu'on discute avec nos copains du Front de gauche, et puis après il faut qu'on se revoie et qu'on discute sur le contenu. On leur a dit, on va faire notre congrès, on va se voir après. Je trouve que là c'est allé très vite, mais après ça dépend de chacun. Moi je partage effectivement que les municipales, ça va être compliqué. Il va y avoir, alors je sais qu'il va y avoir une note normalement nationale là-dessus, qu'il va y avoir des, mais bon, je crois qu'après ça va être en fonction des localités, en fonction de l'histoire, et en fonction des rapports. Et après, moi je veux dire,
on n'a pas d'exclusive non plus. L'EPS n'est pas à connaissance de notre numérique. Voilà. On gère des mairies ensemble, on gère des départements ensemble, on gère des régions ensemble. Il y a un mois et demi, on a repris une mairie dans le Seine-et-Marne, je crois, si on ne peut pas Rangis. On l'a repris par une liste de l'Arche Union, etc. Moi, je ne laisse plus rien sur les municipales, mais effectivement, je pense qu'il faut aller sur des contenus. Sur des contenus. Non, mais ce que tu dis, non, mais il y a 4 listes, je veux dire, déjà partir comme ça, ça me paraît quand même partir un peu vite, mais après ça, c'est le secteur, voilà. Voilà, il a difficulté à venir aux réunions, mais oui, nous aussi, l'Ardèche, aussi les départements, il y a aussi des difficultés, on essaye. On parlait hier justement d'essayer, d'essayer de décentraliser nos conseils départementaux. Ça paraît compliqué, mais bon, on va peut-être voir, parce qu'effectivement, l'endroit, ça peut faire 2h30, mais ça fait de certains points à un autre, ça doit faire 1h30 de route ou autre, c'est pas évident. Notamment pour les gens qui bossent, parce que les conseillers départementaux 18h, 18h30, ceux qui bossent, qui sont loin, ne peuvent pas venir. Et ceux qui font plus tard, ça va faire rentrer à plein d'heures. Et faire des conseillers départementaux, des réunions le vendredi soir, le dimanche, le samedi. Je crois qu'on a connu ça à une époque, mais je crois que malheureusement, c'est un peu fini pour le moment. Sur plusieurs points, vous avez été donc je commençais par la formation. Nous, la formation, donc, on a mis en place, déjà on est en train de mettre en place l'obligation d'aller aux universités d'été déjà pour pratiquement minimum une personne par section. Parce que voilà, c'est le premier endroit où il y a des rencontres déjà entre communistes de d'autres régions. Et en plus, c'est un moment où on a plein de débats, plein d'échanges. Donc pour nous, on travaille là-dessus, à envoyer un maximum de camarades aux universités d'été. Après, de l'autre, on a mis aussi plus localement dans chaque section, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle des cafés philo, où en fait on invite les gens. On cherche à travailler sur la notion qu'est-ce qu'on travaille, tout un petit chose comme ça. Mais le problème, c'est que c'est vraiment de l'auto-formation. On n'a pas de personne qui descend, on n'a pas. Ce qui fait que des fois, d'une section à une autre, on a des formations complètement différentes, sur le même thème, mais c'est enrichissant au final. Donc voilà. Alors après, ce qui nous pose vraiment la question du militant de nouvelle génération. Un militant de nouvelle génération, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas connu 68, il y en a beaucoup même qui n'ont pas connu 68, qui n'ont jamais connu les écoles centrales, ni l'école fédérale, ni l'école, bon, bref, toutes ces choses-là. Et ce qui fait que le mot communisme, on va dire, il a un nouveau visage et. C'est vraiment, comme on le disait, un nouveau partage, la mise en bien commun des choses. C'est vraiment le premier sens en fait, du mot qui revient. Et le marxisme est vraiment utilisé vraiment comme grille de lecture d'analyse. Il n'est plus comme une doctrine qu'on applique. Voilà. Et c'est vrai que ça, on commence à avoir un sacré grand écart entre, on va dire, l'ancienne génération en opposition, qui est assez importante et ça fait des clashs des fois même assez importants, mais les discussions dans les instances, c'est normal à la limite. Ce qui fait aussi qu'on n'a pas la culture de l'UMA, la nouvelle génération a la culture de l'UMA bien moins importante. C'est vrai que on s'est aperçu que dans ceux qui sont jeunes qui arrivent dans le parti, l'humanité dimanche est plus facilement acceptée que l'humanité quotidienne. L'humanité quotidienne, déjà, il faut lire tous les jours. Il coûte. C'est une tartine à lire hein, tous les jours, il faut se coltiner. Alors que l'humain dimanche, justement, lui, il permet de bien retracer ce qui se passe dans la semaine et en plus d'avoir des sujets de fond. Donc c'est vrai que là-dessus, il est assez intéressant. Nous, par contre, on a la terre qui marche aussi. Sur Dordogne, la terre marche beaucoup. Et c'est vrai que c'est aussi important. Et là, ça touche vraiment le côté rural. Bon, c'est normal. Nous là-dessus, j'en viens aussi à l'histoire des listes. Alors nous, ce qui se passe, c'est que la fédération du PS, elle a tout de suite tranché qu'à partir avec une seule liste de rassemblement au premier tour, PS, tête, ils ont déjà tranché partout, hein, ça. Un socialiste maire automatiquement, ou une socialiste, hein, bon bref, je veux dire, en gros tête de liste socialiste, après tout le monde ferme sa bouche, on est tous derrière. C'est ce qui a été, nous on est sous cette pression-là, alors. C'est vrai que c'est pas top. Le niveau du collectif, alors certains collectifs font des rencontres avec le front de gauche, ça c'est vrai, on en a.
Mais c'est toujours à chaque fois, oui, vous voulez nous récupérer, apparemment la petite guerre partisane quoi, en fait, qui revient. Et c'est surtout aussi la grande crainte. Alors il y en a qui ne sont pas dans les partis, ils sont dans ce collectif parce qu'ils ne veulent pas d'alliance avec le PS, parce qu'il y en a qui ne veulent pas d'alliance. C'est avec le NPA, c'est le NPA, donc voilà, on a les deux côtés, on va dire, de plus au bout de la gauche, on va dire. Qui, voilà, donc on ne sait pas comment faire, parce que vraiment, il y a des villes, comme je vois principalement à Douarnenez, on a ce problème-là. C'est que le collectif, c'est pratiquement l'ancienne équipe municipale qui est dedans. Et pourtant, c'était déjà une première initiative Front de Gauche, quoi. Donc il y avait déjà que l'ancienne maire, elle n'était pas encartée, il y a des choses comme ça. Et ce qui fait qu'on retrouve toute une dynamique qui est mise en place, qui est autant populaire que Front de Gauche, que le PS et que les Verts. Les Verts aussi nous ont décrété chez nous Finistère qui se partait aussi tout seul. Voilà. Donc c'est. Bon. Et nous, on essaye justement au Front de Gauche de rassembler tout ça. Et on n'a pas de liste non arrêtée, par contre, on travaille sur le programme. Mais eux, ils n'ont pas de programme, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est. Et vous avez des objecteurs de croissance ? Personne, parce qu'on va nous partir sur le programme. Comment ? Qu'est-ce que vous... Ils partent, rassemblement de partis, enfin, tirant les listes et leur met derrière, sans discuter le programme. Voilà, donc et par contre, nous, là-dessus, on avait voté donc, au niveau du CDE, donc on a décidé qu'on ne partait pas sur une histoire de liste, et vraiment sur une histoire qu'on refusait de gérer l'austérité. Donc déjà, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que si on va avec des socialistes, c'est pour gérer l'austérité, pour nous c'est non. Alors déjà ça c'est clair et net. Donc on a tranché là-dessus. Par contre, si on a des camarades socialistes qui sont contre l'austérité, juste comme ça, on me l'a dit, on ouvre le Front de Gauche, il n'y a pas de soucis, ils peuvent venir, mais c'est pas sûr. À chaque fois on leur invite de faire des sorties, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que nous là-dessus, le Finistère, ça, c'est pareil, donc nous on est tout entre 10 et 20% donc, dans les élections au niveau des cantonales. Donc on a pas mal de poids. C'est vrai que eux, ils essayent de faire un tour de force. Quoi. Ils essayent de faire un tour de vis, mais royal. Donc c'est assez mal vu. Parce que dans le Finistère, si la gauche n'est pas unie, c'est la droite qui passe. C'est automatique. Donc voilà. Donc c'est assez mortel. Ils sont en train de jouer à un jeu mortel. Et ça, on va se prendre une bande branlée comme c'est parti. Communication site web, donc là je reviens là-dessus. Nous par contre, il faut savoir qu'au niveau national, ils mettent en place des sous-domaines pour chaque fédération et chaque section. Il ne faut pas hésiter à leur demander. Donc nous, on a fait ça dans une fédération Loiret, on a fait ça. Donc pratiquement chaque section a son genre orléans.pcf.fr avec une liste de diffusion Orléans, voilà, qui va avec. Donc là, dans la fédération 2029, on avait ça en place, on prend ça en place. Donc la fédéral là, différentes sections sont en train de l'avoir. Comme Quimper, Brest, Douarnenez, Morlaix, bon bref, toutes les sections sont en train de les passer, justement donc sur la même mouture en fait du CN, ce qui fait qu'on a une uniformité de la forme. Et en plus on peut, au lieu de se retaper le copier-coller, on peut faire apporter directement des actualités nationales, des choses comme ça, et puis comme ça permet au national de reprendre les choses nationales, locales, de les remonter nationalement. Donc il y a ces choses-là qui sont assez intéressantes. Ben, c'est tout. Départemental, j'ai vu avec deux, trois camarades, on a essayé de faire le tour de le plus de militants possible pour avoir leur appréciation sur la politique du parti en ce moment. Et puis on leur a posé un certain nombre de questions sur leur rapport au parti et à la communication. On s'est aperçu que les mails par exemple sont très utiles pour envoyer des documents à bas coût très vite. Mais c'est quand même, c'est pelu. Je ne me rendais pas compte à ce point avant qu'on rencontre autant de camarades. Les gens ne les lisent pas trop, donc on va revenir plus à un fonctionnement courrier parce que voilà, c'est zappé vite fait. Y compris sur le site internet. Nous, on n'a pas de site internet dans la Fédé. C'est mon chantier à faire. J'ai fait une page Facebook, mais bon, ça marche surtout auprès des plus jeunes. Le site internet du Parti National, il est relativement peu. Enfin, les adhérents de ma fédération que j'ai rencontrés, ils y vont relativement peu aussi. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Internet, c'est très utile comme outil, mais ça aussi, c'est ses limites. Et puis après, y a tous les camarades plus âgés qui n'ont pas l'outil, voire qui n'y vont pas. Donc il faut s'en servir, mais il faut aussi qu'on reste à un fonctionnement traditionnel papier. Et puis des visites, parce que c'est quand même.
la discussion, le face-à-face qui permet. Sur les questions de ruralité, moi j'ai une proposition à faire, c'est qu'au niveau de la direction du prochain Conseil national, on ait un camarade qui se charge de ces questions et qu'on puisse avoir un groupe de travail entre secrétaires de fédéraux ou secrétaires de section sont confrontés à ces questions, notamment qu'on est sur des zones géographiques vastes avec peu d'adhérents, il y a des problématiques qui se recoupent, je pense, et il n'y a pas de groupe de travail au niveau national. Ça serait bien que ça se crée, ça pourrait être un échange d'expériences intéressant pour voir ce qui fonctionne ici ou là. Les assemblées citoyennes, moi aussi ça fonctionne. Notre département c'est Laval, enfin, c'est comme similaire à d'autres départements, on a Laval, agglomération importante, où là on a des communistes qui militent, c'est là qu'on a l'essentiel de notre activité. Dans le reste du département c'est plus compliqué, parce que c'est la dispersion. C'est une fédération de 200 adhérents, on en a 120 concentrés sur l'agglomération de Laval. Tout le nord Mayenne qui fait d'un bout à l'autre, ça fait 50 km en hauteur sur 70-80 en largeur. On a 40 adhérents sur cette zone-là. Donc forcément, c'est très très dispersé. Par contre, là, c'est une zone où en effet, on a une assemblée citoyenne qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir là où sur mes 40 adhérents, quand on fait des réunions, on est 5 ou 6. Une dizaine, ça m'est arrivé qu'une fois, c'est le mieux que j'ai fait. Ça fait quand même un quart des adhérents qui se mobilisent sur un grand périmètre, c'est pas si mal que ça, même si ça fait peu au final. Là, on a des assemblées citoyennes, on a des gens qui viennent pour participer. On n'est pas dans des enjeux de conflit, déjà de pouvoir plus ou moins pour les municipales, parce qu'il y a des gens qui ont des arrière-pensées, je pense, dans le fait exposé. Nous, on a passé du tout. On a des gens de bonne volonté qui ne sont pas adhérents ailleurs. C'est animé par les communistes, il y a juste un parti de gauche qui participe aussi. Donc, c'est plutôt sain comme fonctionnement et c'est vrai que ça nous aide. Après, ça ne résout pas la problématique de structuration du parti sur le plus long terme, ça je partage. Sur municipal, quand c'est pas le sujet de notre table ronde, mais bon, c'est quand même un élément important parce que, y compris pour le PCF, c'est un enjeu important. Si le parti a continué à vivre toutes ces années-là, malgré toutes les difficultés, c'est aussi parce qu'on avait un réseau d'élus qui a permis de tenir la boutique. Et les moyens financiers. Bah, bien sûr, moyens financiers, et pas seulement, c'est formation aussi. Les moyens politiques aussi, parce qu'on ne fait pas de la politique pour se faire plaisir, mais pour agir dans le réel, et c'est aussi par le biais d'élus qu'on agit dans le réel, qu'on peut prendre des positions, qu'on est audible. Genre en Mayenne, on n'avait quasiment pas d'élus auparavant, enfin, j'ai pas connu ce temps-là, mais il y a une quinzaine d'années, il n'y avait rien, et les copains me disaient que c'était très très dur. Maintenant, on n'a pas grand-chose, mais on a eu un adjoint au maire à l'époque à Laval. Maintenant, on a une conseillère régionale là depuis les dernières élections. Et c'est vrai qu'on sent que, y compris dans la presse, on arrive à passer plus facilement. Et ça donne une audience politique pour le parti qui est quand même intéressante. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, je partage ce qui a été dit hier. Il ne faut pas qu'on s'enferme dans des constructions qui ne nous permettraient pas d'être majoritaire. Dans le même temps, il faut qu'on fasse attention aussi.